bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, nous allons rester en Bretagne, parce que la Bretagne, ça vous gagne. Et nous allons à Trébeurden, survoler la pointe rocheuse, surnommée aussi le Castel, dans les Côtes d'Armor. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard, mes vols de drone, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci. À bientôt. Situé à Trébeurden dans les Côtes d'Armor, le Castel est une pointe rocheuse habillée de boisements et de chaos granitiques. Accessible depuis le port de plaisance de la commune, cette petite montagne est entourée par un petit sentier d'environ 1 km qui permet d'en faire le tour. Au départ de cette balade, un panneau indicatif précise également les horaires de passage vers l'île Millau située en face du Castel. Elle n'est accessible qu'à marée basse et seulement à certaines dates chaque mois. La plage de Trémeur se trouve à proximité. Dès que l'on emprunte le chemin vers la droite, on prend un peu de hauteur sur le Castel. Cela permet d'admirer le port de plaisance de Trébeurden. La suite du sentier vous fera découvrir de superbes rochers de granit rose modelés par le temps et l'érosion. Ici, les chaos de granit laissent place à l'imagination. À vous d'interpréter leur forme. Un petit sentier vous permettra d'atteindre le sommet du Castel. Depuis ce site naturel, vous obtiendrez une vue imprenable sur la baie, le port de plaisance, mais aussi la plage de Trémeur, la pointe de Bihit et l'île Millau. Sur votre chemin, n'oubliez pas de lever les yeux pour découvrir les chaos granitiques situés sur les hauteurs de la presqu'île. Ces derniers révèlent des formes uniques et étonnantes et se dressent face à la mer. C'est depuis le Castel que vous pourrez accéder à l'île Millau. La passe pour la rejoindre se trouve juste en face du rocher du Père Trébeurden. Elle est accessible seulement à marée basse, à certaines dates et heures chaque mois. Plusieurs points d'intérêt sont à découvrir, notamment une allée couverte datant de moins 6000 avant Jésus-Christ, ou encore un superbe point de vue à 360 degrés sur le paysage alentour.